La radio de la communauté en direct du studio central, nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 septembre 2018. Nous parlons aujourd'hui restauration avec un chef congolais à Syracuse, New York, Monsieur Elus Mwiti. Alors, Monsieur Elus Mwiti, salut et bienvenue à ce journal de la communauté de Jean Lewis. Merci encore de m'avoir. Je suis ravi d'être ici. Voilà, donc nous vous recevons pour parler aujourd'hui de la restauration, notamment de ce qu'on appelle là-bas à Syracuse, New York, The Taste of Africa. C'est quoi le test de l'Afrique? Bon, le test of Africa, c'est un restaurant congolais. C'est quoi d'abord test en français? Vous pouvez traduire ce mot pour moi. Le test de le goût l'Afrique. Bon, mais de test, ça ne répartit pas toutes les sections. C'est juste un petit test de tous les secteurs qu'on a vécu, qu'on a grandi. Donc, c'est là où on a nommé ça The Taste of Africa, donc le goût de l'Afrique. Alors, nous allons donc parler de ce goût de l'Afrique que donc est parti certainement de quelque part. Est-ce que vous pouvez replonger dans votre passé immédiat, proche, j'allais dire, pour nous parler de cette inspiration qui vous aurait conduit ou qui vous a conduit à ce Taste of Africa à Syracuse, New York? Bon, nous sommes arrivés du Gabon en 2005. Nous sommes venus ici à Syracuse. Le premier constat, c'était qu'il n'y avait pas de restaurant africain dans la ville où nous sommes. Donc, on n'avait pas de restaurant africain. Ça, c'était l'une des raisons qui nous a poussé, la famille et moi, à chercher à ouvrir un restaurant africain. Bon, et puis aussi du fait que non seulement on n'a pas grandi seulement à Brazzaville. Donc, on a eu la possibilité de vivre un peu dans plusieurs secteurs comme CBT, comme village à Nyanga, et puis nous nous sommes retrouvés à Libreville. Et ma femme et moi, ma femme a grandi, elle est du Congo Kinshasa, et aussi elle a grandi au Kenya. Donc, on avait un peu un melting pot déjà dans la famille. Et c'est ce qui nous a poussé à se dire, bon, si on essaie un peu de mélanger un peu la cuisine, un peu du Kenya, un peu du Gabon, un peu du Congo, et puis on essayait de mettre ça quelque part. Donc c'est là où même l'idée du taste, de Taste of Africa, pas du Taste of Congo seulement, mais on retrouve un peu le tout dans notre restaurant. Alors, je rappelle que vous êtes des immigrants, vous quittez l'Afrique pour les USA, dont certainement l'espoir de vous intégrer dans. Alors, comment expliquer le fait que plutôt que de vous tourner du côté des McDo et autres Burger King, vous vous enracinez dans ce goût de l'Afrique? C'est quand même difficile à comprendre, non? Bon, oui, au début, comme tout réfugié, hein, je crois que c'est d'abord la nostalgie de faire de la première fois d'abord de marcher, retrouver un supermarché africain. Ça, c'est d'abord une première joie parce que quand vous arrivez, ça, c'est les McDo d'abord que vous trouvez, c'est les Burger King, les KFC, ainsi de suite. Mais après, au fur et à mesure que vous sillonnez le coin, vous vous retrouvez maintenant avec des communautés qui vous disent qu'il y a des petits coins. Il y a des petits coins où vous pouvez trouver, par exemple, le Saka Saka. Il y a des petits coins où vous pouvez trouver un peu le Niamboué, comme on appelle ça au Gabon. Et c'est tout ça là qui nous a en fait poussé à commencer à faire des fêtes déjà à partir de la maison, quand j'étais encore avec toute la famille. Nous sommes arrivés aux États-Unis. Donc, je venais voir. On faisait les fêtes à la maison, on faisait les fêtes avec des frères, des amis, la communauté congolaise en fait, congolaise ici, la communauté africaine en général, dans la ville de Syracuse là. Ça nous a vraiment aidé à nous lancer on s'est dit, bon, comme il n'y a pas ça ici à Syracuse, essayons un peu de voir si on peut ouvrir quelque chose, quoi. Retour sur cette antenne après cette coupure, toutes nos excuses pour ce désagrément. Alors, nous sommes rejoints de la communauté, je vous rappelle, avec le chef Elus Moutis de Syracuse, New York, avec qui nous parlons du test de Of Africa, donc un restaurant africain en terre américaine. Vous avez certainement suivi toute la semaine, nous en avions parlé au niveau de l'antenne, donc de Radio Congo Live en Chicago, nous parlons du restaurant. Alors,
Parlons maintenant des débuts de cette activité, de cette initiative, concrètement. Bon, on avait essayé d'ouvrir ça en 2011 quand nous sommes arrivés. Bon, déjà peu de moyens. Ça, c'était d'abord un. Et puis, deuxième, il n'y avait pas l'expérience. Et puis, c'est pas comme au pays. Là, on était d'abord immature. On n'avait pas les notions de qu'est-ce qu'il fallait avoir, quels documents qu'il fallait présenter. La première chose qu'on s'est dit, on a trouvé une place, on a trouvé un local. Mais après, il y avait des zonings, le ministère de planification, les inspecteurs, ainsi de suite, qui sont venus. Bon, comme on dit, long story short, pour couper court, on a eu à dépenser des sommes énormes, mais on n'avait pas eu la chance d'ouvrir. Mais après 2011, donc l'année, c'est en octobre l'année passée, avec Oui. l'expérience, au moins avec des failles qu'on avait pu observer. On savait, on s'était maintenant bien préparé. En conséquence, c'est là où on a eu la possibilité non seulement de trouver un nouveau local, et puis bon, fallait avoir des documents qu'il fallait avoir ce qu'ils appellent ici les certificates, les licenses qu'il fallait se fournir. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, tout s'est bien fait, tout s'est bien passé, Oui. et donc, nous ont donné la possibilité d'ouvrir. Alors, vous êtes ouvert. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'adresse de votre restaurant? L'adresse est 820 Danforth. 820 Danforth, Syracuse, New York. Le zip code, c'est 13 208. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation générale d'abord des lieux? Est-ce que vous pouvez faire un tour de votre restaurant du point de vue de D'accord. l'intérieur? Oui. Allez-y. On va commencer par. Je vais commencer par l'entrée principale. Et puis, c'est passé jusqu'à la cuisine, ainsi de suite. Ce que vous estimez être normal pour être vu par les auditeurs ou les téléspectateurs. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, nous sommes ici au restaurant de Taste of Africa avec le chef Mouiti, qui nous présente donc son initiative et qui va donc, voilà, la caméra va se positionner sur. Alors, nous allons nous retirer. Voilà. Voilà, nous avons une vue du restaurant de monsieur. Voilà, et la carte de l'Afrique. Donc, au mieux, ça représente justement cette carte, monsieur Moutis, la carte de l'Afrique comme symbole. Voilà. Oui, ça c'est la carte d'Afrique en fait comme symbole. Voilà. Alors, je constate qu'il y a de la musique qui passe, une musique essentiellement congolaise, où vous mélangez tout, notamment tous les rythmes africains. On a un mélange, mais en ce moment c'est une musique congolaise qui passe, Fally Ipupa. Voilà. Est-ce que maintenant nous pouvons aller à la cuisine, notamment au plat? Bon, je peux rapidement. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que vous pouvez le comptoir, je crois? Ici, c'est le bar, c'est l'entrée principale. Ça, c'est là où le cachet de cache, juste où ça se trouve. Alors, donc vous avez deux compartiments, le restaurant proprement dit et le bar, qui est donc proche du comptoir. Il y a le bar qui est là, c'est là où en fait les gens viennent prendre des commandes. Et puis, si vous voyez ici, c'est là où se trouve le menu. Oui. Et Alors, qu'est-ce que vous avez dans ce menu? Est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler? oui, sur le menu, on a la majorité des noms, on avait choisi d'avoir des noms en swahili, hein. Donc on a les bananes frites, on a le pondu, on a les légumes, on a l'haricot, le riz, ce qu'ils appellent le riz blanc, et puis le riz frit,
On a le foufou, on a le ugali, le chapati, c'est la zone, en fait, la zone du Kenya, Tanzanie. On a le thé. Bon, au niveau de ça, c'est parce qu'il y a le côté viande, et puis il y a le côté des légumes, quoi. Bon, side, c'est ce qu'ils appellent ici la side. Voilà, toujours en direct de Syracuse, New York, nous avons le restaurant The Taste of Africa, justement, de notre compatriote Ilus Mwiti, qui est donc propriétaire de ce restaurant. Et nous sommes en train de faire le tour du restaurant. Alors, monsieur Mwiti, voilà, c'est quoi voilà, ce compartiment? Ça c'est le deuxième secteur. Bon, ici on appelle ça le dining. C'est là où les gens, souvent dans le week-end, on ouvre ça souvent le week-end. Et puis c'est là où, s'il y a des festivités ou bien il y a des gens qui veulent louer le secteur, c'est souvent ici que ça se passe. Par exemple, pour les anniversaires. Anniversaire, baby shower, il y Voilà. a souvent des gens qui viennent pour book club, et ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est là, on sort, là, on va de l'autre côté. Là, je constate qu'il y a même des clients Ouais. qui ne. Ça, c'est la salle à la gauche, c'est ma fille. Ah C'est bon? Ah oui? From the Taste of Africa. Celle-là, c'est ma sister-in-law, ma belle-sœur, qui travaille au Taste of Africa. Ah, ok, c'est très bien. Ah, et puis ici, c'est le côté take-out, ce qu'ils appellent un peu rapide, quoi. Pour ceux qui viennent, qui ne veulent pas attendre, qui ne veulent pas s'asseoir, Là, ils peuvent donc ils peuvent déjà commander parce que c'est déjà prêt. Ça, c'est ce qu'ils appellent to go. le to go, oui, voilà. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en faire une idée? Qu'est-ce que je vois? Mina, can you come? Elle peut, et puis vous allez traduire. Get the gloves. Ouais, en fait, elle prend des gants pour porter, pour ouvrir, là. Comme je n'ai pas les gants avec moi, là. Oui, voilà, vous êtes strict en matière d'hygiène, ça se comprend. Open the first one. Donc, là, c'est le riz. C'est un riz africain à la tomate, qu'est-ce que je vois? Oui, en fait, c'est le riz, on peut dire le riz coloré, quoi. Oui. C'est le riz coloré, le riz frit, le deuxième. Le deuxième, c'est le riz avec les petits pois. Le riz Oui. blanc, petits pois. Oui. Ici, c'est l'haricot. Ça, c'est l'haricot noir, hein? Oui, l'haricot noir. Oui. Là-bas, c'est les queues de bœuf. Ah, mais ça, c'est vraiment africain. Là, on a ce qu'ils appellent le collard green, c'est les légumes avec la dinde mélangée à la tomate. Ça, c'est une cuisine un peu typique des gens du Kenya, quoi. Oui. Good. Et là, c'est le pondo, hein, le sakasaka. Ah, vous faites du pondou? Oui, on fait aussi au pondo. Voilà. Donc, vous n'avez que ces plats, parce que j'ai vu sur votre Facebook des plats plus ou moins académiques, de l'art culinaire, j'allais dire. Traditionnel, est-ce que ces plats sont
rangé dans le même répertoire que ce que vous venez de nous montrer, monsieur. Non, non, en fait, il y a certains plats qu'on ne peut pas faire. C'est comme, par exemple, le poisson à la tomate, poisson frit, ou bien les queues, ou bien les côtes. Oui. Ce sont des choses dont on prépare rapidement. Quand les gens arrivent, on fait, ils ont le temps d'attendre, ils ont la possibilité d'avoir plusieurs options. Mais surtout ce qui est sur le display là, Oui. c'est souvent le to-go. Mais le to-go, on ne donne pas trop de choses. Et voilà, nous sommes toujours avec Monsieur Elus Mouti depuis Syracuse, New York, qui nous introduit dans en fait, la présentation du Taste of Africa, son restaurant, bien sûr. Voilà, nous allons regarder donc quelques mets, Monsieur Mouti. Alors, vous avez ici en face de vous un plat, comment vous l'appelez déjà? Bon, ça, c'est ce qu'ils appellent ici le wrap de chapati. Le pain, là, c'est le chapati. On retrouve ça plus au Kenya, la zone du Kenya, Tanzanie. Donc, c'est un pain plat rond. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On a des strips de ribs. C'est-à-dire qu'on prend les côtes de bœuf, Oui. on fait passer ça au grill. Donc, on fait sauter ça d'abord, et puis on coupe ça fin, 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 avec de l'oignon, la tomate. Maintenant, après, on enroule ça avec la mayonnaise. Voilà, on va aller un peu plus rapidement. Vous avez... Ah, vous voyez, c'est un festin, hein, ici, hein. Alors, ça, c'était certainement une fête à l'africaine. Vous voyez, c'est un restaurant multiracial. Alors, on continue le tour de ces photos. Alors, là, vous avez des brochettes ici, hein? Oui, ça, c'est les brochettes de mouton pimentées. Oui. Voilà. Vous avez encore ici des brochettes. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est le chapati, l'haricot avec les pommes de terre. Ça c'est pour les végétariens, quoi, style végétarien. Oui, c'est une spécialité de quel pays d'Afrique? Ça, c'est surtout la zone Tanzanie, Kenya. Bondi. Oui. Voilà, nous avons, bon, voilà, c'est de quoi? Des côtes que je vois à la tomate. Des côtes à la sauce tomate, oui, c'est ça. Voilà, nous avons, je crois, du riz, hein? Oui, le riz, ça c'est le riz mélangé là, avec la viande et la sauce tomate. Continue. Voilà, des brochettes toujours. Ça, c'est un mélange de crustacés, je crois, de crevettes, quoi. Qu'est-ce Ça, que c'est dans... le shrimp Oui. avec les... Donc, disons aux auditeurs qui ne peuvent pas comprendre l'anglais, shrimp, c'est des crevettes. Les crevettes, oui, c'est ça. Le mot m'a échappé en français. Je comprends. Nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Des beignets? Des beignets, non, avec le piment. Voilà, ça c'est une spécialité, je crois, béninoise, congolo-béninoise. Congolo, Gabonais, Béninois, parce qu'au Gabon aussi, c'est ce qu'on appelait le gâteau, ce que les Gabonais appellent le gâteau au piment, en fait. Mais nous, on appelle ça les beignets. Au Congo, on appelle ça le beignet, et puis aussi au Bénin, on appelle ça le beignet. Bon, les beignets, vous avez plusieurs variantes. Nous avons les beignets à la banane, beignets juste à la farine Oui, et pour ça là, pour ce cas-là, c'est le beignet à la banane. à la banane. Voilà. Ici, c'est un bouillon. Un bouillon avec le manioc. Mais c'est quoi ce poisson que je vois? Poisson de tilapia. Ah. Et là, vous avez ici quoi? Du manioc. Du manioc. Alors, voilà. On continue. Vous avez des brochettes, on peut passer. Ah, les clients, certainement. Oui, Voilà. celle-là, c'est la dame qui s'était présentée pour être gouverneur dans l'État de New York, qui nous avait rendu visite là. Oh, cette dame. Oui, elle est actrice à Hollywood, Cynthia Nixon. Ah, c'est très bien. Alors, vous avez. Je vous vois ici, non? Debout. Oui, ça c'est le staff en fait, ça c'est le staff. Ma mère, mon petit frère, Angeton, celui qui est vraiment dans la restauration, Oui. et ma mère, Angélique. Voilà. Nous avons ici. Oh, my God.
C'est quoi ça? Vous avez du piment ici, hein? Oui, le Oui, riz, ça. ça c'est le comment on appelle ça, ngoto en C'est quoi pounou. le silure? Le silure smoked, le silure, comment on appelle ça, le silure. Façon fumée, hein, fumée. Ouais, le silure fumé, ouais, c'est ça. OK. Nous avons, ceci est presque américain, là, non? Regardez un Oui, peu. ça c'est juste de sauter. Mon frère, c'est lui qui a fait cette recette-là rapide parce qu'il y avait un monsieur qui ne voulait pas de sauce. Donc, on lui a fait sauter juste le poulet avec des légumes, quoi. Des carottes et puis les pommes de terre. Alors, voilà, nice presentation, j'allais dire, hein, c'est très beau, c'est bien présenté, ça. Ça c'est un mélange de il y a les petits pois. C'est quoi, une entrée, sortie, c'est quoi exactement? Oh, ça c'est une salade, en fait une salade de présentation. Oui, voilà, nous avons rapidement, je crois que c'est le même plat, vous avez, oh, c'est très beau. Voilà, et ici? Ça c'est les filets de tilapia avec des légumes. Oui, c'est tout le set. On la trouve chez les Mexicains aussi, je crois. Hein? Oui, c'est ça. On continue avec. Ouh, c'est quoi? Ça, c'est le manioc à la moimbe. Ouais, Ah, vous faites la moimbe aussi, hein? on fait la moimbe aussi de temps en temps avec la dinde. Ah, ok. La dinde fumée. La dinde fumée. Ok. Poisson, voilà, c'est du poisson ou quoi, ici? Ça, c'est la dinde avec la moimbe. La dinde, ah, ok. C'est toujours la dinde? Non, là c'est juste le bouillon. Là c'est la sauce tomate de viande, les cubes de viande. Ok. Et ici? Ça c'est la banane sautée avec l'ice cream, avec la crème de vanille. Voilà, est-ce que, bon, voilà, nous allons continuer donc avec le chef ici. Est-ce que, d'abord, est-ce qu'il est possible d'avoir ceci, c'est-à-dire que, aussitôt que je me présente à votre restaurant, est-ce qu'il est possible de me servir de ce que je vois ou c'est juste de la présentation ou de la publicité? Donc, il y a deux. Le plus souvent, il y a d'abord, quand vous rentrez, il y a un menu qu'on vous sert. Et puis, il y a ce qu'ils appellent les complimentaries, surtout si vous venez pour vous asseoir ou bien si vous êtes pressé. Pour Oui. ceux qui sont pressés, il y a cette option-là. Ils vont se servir. On leur sert, en fait. Mais Alors, ils oui. de choisir ce qui a déjà été préparé, comme le riz, les queues, le sakasaka, les légumes sont déjà faits. Voilà, quel est d'abord parlons de la clientèle. La clientèle est, comme je l'ai vu là, plus ou moins multiraciale ou la dominante, c'est beaucoup plus des Congolais, des Africains, j'allais dire. En fait, je vais dire c'est plus des autochtones, hein, c'est-à-dire les blancs, les Américains, les noirs américains qui poussent vraiment notre business à avancer. Bon, les Congolais. Ils viennent par curiosité ou bien ils aiment bien ce que vous proposez là-bas? Il y a deux, parce qu'il y a ceux qui viennent par curiosité, et puis l'autre aussi, c'est ceux qui ont vécu en Afrique, par exemple dans la zone du Kenya. Il y a beaucoup des Américains qui ont vécu surtout dans la zone anglophone, là. Oui. Donc, quand on a appris qu'il y avait un restaurant africain, c'est par cette envie-là. Certains sont venus rapidement pour essayer un peu de goûter un peu la nourriture. La Alors, zone à Syracuse, on n'a pas trop de Congolais de Brazzaville. vous constatez que chaque fois qu'un Américain passe par là, il y a un autre qui arrive, hein, chaque fois un nouveau, et la chaîne ne fait que s'allonger. C'est ça. Et puis aussi, il y a ce qu'ils appellent le social media, l'influence aussi de Facebook, ainsi de suite. C'est parce que comme on est aussi sur Facebook. C'est-à-dire que les gens vont sur votre Facebook et puis en C'est parlent et font des commentaires. Ouais. Donc, ils ont la possibilité aussi de partager, donner à des amis, envoyer ça à des amis. Et puis, bon, c'est ce qui a fait aussi on peut dire notre force. Vous,
Comment expliquer le fait que les Africains eux-mêmes soient plus ou moins réfractaires à ce que vous faites? Bon, les Africains, ça, en fait, il y a deux facteurs. Les Africains, la majorité des Africains, ils aiment manger chez eux. Ça, c'est le problème. Oui. Hein? Surtout ici, comme il y a un système de. Le gouvernement vous donne des fonds, comme ce qu'ils appellent ici là, de food stamp. Donc, la majorité des Africains qui n'ont pas de bon salaire ou bien qui reçoivent encore de food stamp, ce sont ceux-là qui n'ont pas souvent la chance ou bien n'ont pas souvent le temps de venir puisqu'ils achètent tout, ils préparent tout chez eux. Bon, mais non seulement ça, on a aussi un autre facteur, c'est le secteur où nous sommes, on n'a pas trop de Congolais, surtout les Congolais de Brazzaville. Il n'y a pas trop de Congolais de Brazzaville, il n'y a pas trop de Congolais de Kinshasa. Il y a beaucoup de Rwandais, il y a beaucoup de Somaliens. Oui. Et surtout, la majorité des musulmans, ils sont souvent restreints entre eux-mêmes, entre leur communauté. Oui. C'est souvent normal. Mais il y a pas mal de musulmans qui viennent, qui commandent des choses ici, puisque on ne vend pas du porc à cause d'eux aussi, parce qu'on était obligé de donner aussi la possibilité aux Somaliens aussi de trouver quelque chose. Oui. Du fait, si vous avez vu dans notre menu, on ne prépare pas de porc. Donc, on avait enlevé le porc dû justement à ça. Alors, parlons maintenant du fonctionnement comme tel. Vous avez un personnel et puis des difficultés. Oui. Bon, le personnel, on a le personnel. Il y a d'abord personnel. Il y a moi qui est en même temps propriétaire et cuisinier. Il y a ma femme aussi, propriétaire et cuisinière. Et j'ai notre fille aînée qui est comme serveuse avec sa tante, la petite soeur de ma femme. Et j'ai mon petit frère aussi qui est là en jetant de moutier, qui est avec moi aussi comme étant cuisinier. Bah, donc ça, c'est le staff. Bon, il y a de temps en temps. Donc, c'est une espèce de family business, comme on les appelle ici. Voilà, c'est un business de famille. Mais on a aussi un dishwasher, un jeune homme, un noir américain. Il est là avec, il est là, là déjà là, il commence à laver. Il vient Vous n'avez souvent. pas besoin de nous le montrer. Ouais, tout à fait. Non, j'ai pour dire que j'ai aussi un dishwasher. C'est lui qui vient, qui nous aide à nettoyer Oui. le restaurant, quoi. Oui. Alors, j'espère que ces parents qui vous entourent, vous les traitez comme des employés. Tout à fait, c'est bien, c'est. C'est-à-dire qu'ils ont eu des rémunérations qui reflètent le travail qu'ils accomplissent. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est. Parce que chacun, ceux qui viennent travailler, chacun reçoit son salaire. Ils ont des salaires et puis aussi, ils ont ce qu'ils appellent ici, là, des tips, surtout pour ceux qui sont des serveuses, là. Oui. Donc, à la fin de la journée, ils reçoivent des tips et aussi, ils ont leur salaire. Est-ce qu'en dehors de cette activité, vous avez un autre boulot, un autre job qui vous permet peut-être d'arrondir ou c'est la seule activité qui fait votre income, comme on le dit, vos recettes, vous ne subsistez que grâce à l'activité du restaurant? Non, je travaille, je suis, on va dire quoi, comment on va appeler ça, mechanical designer. Oui, parce que vous m'aviez dit au départ, off enregistrement, que vous aviez fait de l'architecture aussi. Oui, j'ai un dog en architecture et j'ai un dog en drafting and design, ce qu'ils appellent drafting and design. Donc, je fais le dessin d'architecture et je fais le dessin industriel, mécanique, installation sanitaire et tout ça là. Donc, en ce moment, je travaille dans une compagnie où je dessine des installations sanitaires et puis je dessine les installations électriques sur les programmes comme AutoCAD et ainsi de suite. Alors, pourquoi ne s'être pas totalement consacré à cela que de cumuler avec le restaurant? Une passion, je crois. Il y a une passion et puis aussi l'esprit de promouvoir aussi notre culture, en fait. C'est parce que le fait que pas mal de gens ne connaissent pas vraiment nos cultures, surtout ici aux États-Unis. Tout ce qu'ils voient à la télévision, c'est souvent négatif. Des gens affamés, des gens avec des gros ventres, les guerres, ainsi de suite. Donc, c'était en fait la façade là que je voulais changer. Mais je ne peux pas tout changer.
le seul moyen de changer la culture ou bien changer les mentalités des gens, c'est peut-être un d'abord leur montrer comment on nous habillons, comment on mange, et puis, et par la grâce de Dieu, tu vois, ça, on arrive au moins à changer les mentalités des gens. Est-ce que sur le plan, nous allons bientôt nous séparer, sur le plan du fonctionnement, est-ce que vous recevez quand même quelques subventions, je ne dirais pas des dons, mais comment vous arrivez à mettre en place ou à fonctionner dans un espace aussi difficile et compétitif? Bon, c'est justement, on ne reçoit pas de fonds. On n'a pas de fonds, on n'a pas eu de fonds du gouvernement, on n'a pas eu des loans, on n'a pas eu des emprunts à la banque, tout ça là. Et quand on a même reçu, on loue ici. Et quand on a commencé à ouvrir le restaurant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'équipement, que ce soit à la cuisine, au niveau de la cuisine, les meubles et tout ça. C'est nous-mêmes qui avons fait nos efforts pour acheter tout. Donc, on le reçoit pas, c'est juste avec notre salaire, nos paychecks, comme on dit ici. C'est ce qui nous a poussé, c'est ce qui nous pousse à surmonter nos épreuves. Comment se fait le ravitaillement? C'est-à-dire, où est-ce que vous trouvez le manioc, le poisson? Vous devez avoir de. Vous savez, la loi dit que vous n'avez pas stocké de la nourriture déjà préparée pour la revendre le lendemain. Il faut donc tout mettre à la poubelle. La loi est stricte là-dessus. Comment vous arrivez à vous approvisionner en stock et à écouler aussi facilement? Est-ce que vous n'avez pas des pertes? Finalement, pendant la semaine. Bon, il y a deux choses qui nous aident. La première chose qui nous aide, c'est les displays, là. C'est ce dont vous avez vu. On prépare, mais on ne prépare pas à grande quantité. C'est-à-dire, on a toujours un staff qui est là. S'il y a quelque chose qui finit, on a la possibilité de remplacer, quoi. Mais puis aussi, c'est contrôlé. Il y a une température ambiante qui est là, qui contrôle la nourriture pendant toute la journée. Donc, quand on laisse ça là, avec effet d'évaporation, ça arrive à chauffer les marmites là. Oui. C'est ce qui nous permet d'abord, ça d'abord, c'est ce qui nous permet de conserver la nourriture toujours chaude. Chaude. Maintenant, le deuxième cas, c'est on a des compagnies locales hein, ici, comme il y a un restaurant, il y a un supermarché africain. Il y a ce qu'ils appellent ici là, les supermarchés, marché des fermiers. Les plus souvent, les week-ends, c'est là où on se ravitaille avec des tomates fraîches, ainsi de suite. Donc, mais la majorité de notre cuisine, on a eu la politique de faire ça frais. C'est-à-dire qu'on fait ça le même jour, Oui. mais on fait ça à vraiment peu de quantité. Voilà, pour éventuellement éviter les pertes. Bon, on a toujours des pertes à la fin de la journée parce que on n'arrive pas à tout vendre, mais au moins c'est vraiment, comme on dit, small par rapport à s'il fallait préparer à large. Et il y a des jours où vous n'avez pas la clientèle, vous êtes obligé de jeter tout. Voilà. Est-ce que vous arrivez à penser sillonner, par exemple, le Midwest où je me trouve pour essayer de voir la possibilité d'installer ce qu'on appelle des chaînes de restaurants? Pourquoi pourrait-on dire The Test of Chicago, The Test of Wisconsin? Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas pris contact avec certains Congolais de la diaspora pour essayer de voir la possibilité de créer ce genre de structure, c'est-à-dire vous créer vous-même, avoir une licence et qui vous permettrait justement de revendre un peu partout. Oui. Ça c'est ce que vous voulez. Bon, enfin, en anglais, c'est ce qu'on appelle le franchise. Oui, avoir un franchise, j'en pense toujours. Bon, mais comme ça fait une année qu'on a commencé, donc l'idée, on a une proposition d'ouvrir encore un autre restaurant ici à Syracuse même, dans 2 ans. On est encore sur contrat, donc c'est sur ce qu'on dit, it's a work in progress. Donc avec là c'est différent, c'est parce que là c'est la municipalité qui est impliquée, là c'est les gens locaux qui sont impliqués. Donc vraiment, je suis pas le seul. Ils veulent construire comme un super market où il y aura pas mal de restaurants internationaux à l'intérieur. Donc le restaurant africain fera parmi
les autres comme chinois, Chinese, ainsi de suite. Bon, enfin, chinois, vietnamise, ainsi de suite. Donc, on sera aussi. L'Afrique, au moins, aura quelque chose là-bas. Est-ce Bon. que pendant les fêtes, les mariages, recevez-vous des invitations, notamment des sollicitudes, par exemple, de ceux qui organisent des mariages, de mettre à leur profit votre équipe pour justement préparer pour eux? Oui, la plus grande qu'on venait de faire, ça fait peut-être 3 mois. C'était un mariage, il y avait 600 personnes. Donc, nous étions, on avait été sollicités pour s'occuper de la cuisine. Et il y a aussi des universités aussi, comme l'université de Syracuse. Il y a l'université ici qu'ils appellent Colgate University. Et il y a aussi l'université aussi de Le Moine. Il y a souvent des événements et Oui. ils sollicitent toujours des groupes d'études qui viennent souvent manger 30 personnes, 40 personnes de temps en temps. Ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a souvent des moments comme ça. Mais dans ces cas, ce que vous présentez est plus ou moins varié, hein, n'est pas Ouais. seulement unitaire. C'est cela. Oui, c'est ça. Ah, ok. Alors, nous allons donc nous séparer. Est-ce que vous avez, monsieur, je rappelle à tous qui nous écoutent et qui viennent de prendre l'écoute, j'allais dire que nous recevons à ce micro du journal de la communauté Monsieur Mouiti, Illus Mouiti, qui est propriétaire du restaurant The Taste of Syracuse, hein, voilà, of Africa. Voilà. Alors, est-ce que vous avez donc, pour terminer, un message à la communauté, aussi bien à la communauté congolaise que qu'américaine, au public américain? Vous savez, nous avons des Congolais américains qui sont nés ici et qui, par curiosité, veulent bien découvrir ce que nous avons comme mets, les mets africains. Un message à eux. Bon, le message, c'est d'abord merci à vous de nous avoir donné l'opportunité, notre restaurant, de venir sur cette radio, puis promouvoir aussi notre restaurant. Bon, je peux peut-être, ceux qui ont la possibilité de venir à Syracuse, que vous soyez Congolais de Brazzaville, Congolais de Kinshasa, il n'y a pas d'importance pour moi, on est tous des Africains. Venez essayer la nourriture et one step at a time, comme on dit, un pas, on aura la possibilité aussi de peut-être un jour aussi changer les choses au pays. Voilà, c'était donc monsieur Mouitis Mouiti, j'allais dire Mouiti Illus, propriétaire du restaurant The Taste of Africa à Syracuse, New York. Merci donc d'avoir été notre invité à ce journal de la communauté. Nous espérons bien que l'équipe de notre rédaction sera invitée un jour à Syracuse pour essayer de goûter à ses mets. OK? Ouais, ça fera plaisir. Voilà, Merci. alors. Merci et bon week-end à vous. Ah, à vous aussi, merci.